Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne MLTV News. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous massivement. Alors la famille, le thème de ce soir, c'est qui invite à hein, la mère de la révolution africaine. Alors, le thème de ce soir, c'est la continuité du live d'hier qui était sur le Royaume Congo. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu parler de Kimpavita, parce que c'est la continuité du live d'hier et elle est née au moment où il y avait le colon au sein de notre pays d'origine. Alors, Kimpavita, de son véritable nom, c'est Kimpavita Tsima. Est connu aussi sous le nom portugais, je peux dire, qui est Dona Beatriz. Hein, Beatriz avec Z à la fin. C'était une prophétesse Congo, fondatrice et aussi dirigeante du mouvement anti-nianiste. Donc, c'est un mélange entre le catholicisme et les religions traditionnelles du Congo. Elle est née en 1684 au Royaume Congo et décédée le 2 juillet 1706 en Angola, plus précisément à Banza Congo. Voilà. Qui est maintenant située vraiment maintenant en Angola. Alors, Kimpavita a tenté d'unifier le Royaume Congo par le biais du christianisme africain. Les missionnaires européens ont voulu la tuer à cause de la manière dont elle a voulu unifier le peuple congolais à travers la religion. Alors, un jour, âgée à peine 20 ans, la jeune femme a eu une révélation. Donc, elle a eu une révélation de Saint Antoine. C'est un chrétien vénéré. Par les colons portugais qui lui a apparu en vision. Et comme un frère, il était noir, et donc il lui a ordonné de retrouver Pedro IV. C'était le roi du Congo à ce moment-là, qui a déserté, qui a quitté le royaume, et elle était censée le ramener à Banza Congo, donc la capitale de São Salvador, appelé par les Portugais. Et afin justement d'unifier le royaume Congo qui souffre de divisions internes, hein, de conflits internes. Et donc, c'est pour cela que, elle avait, la mission de nous unir, de unir le peuple congolais. Bonsoir, Maman Marine Kamakanda. Et donc, c'est une personne qui a vraiment, donc c'était vraiment une révolutionnaire, hein. Elle était vraiment là pour l'émancipation en tant que femme, parce qu'à l'époque, c'était plus les hommes qui défendaient les territoires. Et là, c'était la première dame, je peux dire, au Royaume Congo de vraiment se lever et de se battre pour sa patrie. Alors, comme je disais, à cette époque, le Royaume Congo recouvrait une immense territoire, hein, comme j'avais dit hier, du centre d'Afrique. C'était l'Angola, le Gabon, et en passant par les deux Congos, hein, comme je disais que c'était les quatre pays qui faisaient en sorte que ça forme le Royaume Congo. Alors là, nous sommes arrivés au moment de l'intensification de l'esclavagisme, parce que Kimpavita a vécu au moment où il y avait l'esclavagisme. Vous voyez? Et donc, la révélation mystique que Kimpavita a fait en sorte d'avoir de l'espoir dans cette région qui a été colonisée par les Belges. Et donc, environ 3 siècles plus tôt, les colons sont arrivés par bateau avec leur traité que je vous ai parlé hier, que nos peuples ont signé pour céder leur pouvoir, céder leur souveraineté. Et comme je disais, par les rois et aussi par des partenaires commerciaux. Hein. Ils avaient en fait à ce moment-là une bonne entente entre les chefs côtiers et aussi les Portugais et même les Hollandais à ce moment-là.
Et comme il y avait comme les conséquences dues à cette traité, c'était que les missionnaires portugais les missionnaires portugais qui sont également justement les capucins aussi qui ont fait en sorte que la religion chrétienne soit vraiment dans notre pays qui est actuel, le Congo. Donc, à ce moment-là, c'est eux qui ont fait en sorte que la chrétienté puisse régner au Congo. Et donc, comme je vous avais dit hier, que le fameux roi qui était le roi Afonso, Afonso II, qui s'est converti lui-même en 1591. Alors, le problème aussi, c'est que là, nous sommes arrivés au début du mouvement, du mouvement en toaniste, comme je vous ai dit, c'est une religion qui a un mélange avec le catholicisme et les religions de la tradition africaine. Alors, les missionnaires, comme on les appelait ces sorciers, comme Kimpavita les nommait, ont fait en sorte de tirer leur intérêt par rapport à ces fameuses traités pour prendre les territoires qui se situaient en province à ce moment-là et que les fidèles de Dieu puissent également être leurs oppresseurs et de faire en sorte, parce que, comme je disais, eux ne pensaient pas qu'il y avait une femme qui allait se relever et qui était justement Kimpavita, qui a fait en sorte de se lever pour se battre contre les colons. Et donc, comme je disais, Kimpavita posait vraiment problème. Elle posait vraiment problème aux colons parce que eux, leur but, c'était de s'accaparer du pays tout entier. De vraiment s'accaparer et de ne rien laisser et que nous restons dans le néant, en fait. Mais elle a fait en sorte de se relever à ce moment-là pour se battre contre ces colons. Alors, donc comme ils disent, donc la vérité est que Jésus-Christ n'est pas blanc, mais noir. Donc c'est ça qu'ils disent, et que les pères de l'Église sont africains et le Congo est la terre sainte. C'est ça qu'elle prêchait, Kimpavita, que le Dieu n'est pas un Dieu blanc, mais un Dieu noir. C'est un Dieu noir et que le royaume Congo est vraiment la terre sainte. Alors, comme je disais, à ce moment-là, donc elle s'est autoproclamée qu'elle était une envoyée de Dieu, parce que Kimpavita disait à ses fidèles qu'elle a été envoyée par Dieu et que son culte, je peux dire son culte qui était antoaniste, c'était de lutter contre l'emprise portugaise, de vraiment être contre les Portugais, de se laisser pas faire. Par rapport à leur manigance, des Portugais qu'ils avaient à la base, parce que comme j'avais dit aussi hier, c'est que à la base, c'était pas les Belges qui sont venus en premier, c'était les Portugais qui sont venus en premier, et c'est pour ça que les Bas-Congos sont des descendants des Portugais. Donc il y a des mélanges, il y a des mélanges. Et donc là, maintenant, nous arrivons à la face de l'esclavage, la fierté d'être noire, la partie que j'aime bien. Donc, elle disait que les blancs sont nés de la pierre de savon et que les noirs d'une sorte de fugue. Ça, c'était ses propos de Kimpavita. Donc, elle disait vraiment que les blancs sont nés de la pierre de savon et nous, les noirs, d'une sorte de fugue. Alors, ça, c'est les choses qu'elle affirmait vraiment. Donc, c'était un peu des propos un peu racisme face aux colonisateurs, ce qu'on peut comprendre à ce moment-là, vu qu'ils essayaient de s'accaparer du royaume Congo et elle ne voulait pas se laisser faire. Donc elle disait vraiment des propos vraiment contre les colonisateurs. Alors, comme elle disait selon la parole de Saint-Antoine qui lui a visité en vision, et qui lui a ordonné d'aller chercher le roi qui était actuel pour le ramener au Congo, pour en faire en sorte de nous réunir, parce qu'il y avait des conflits internes au sein du royaume Congo. Alors, comme elle disait, elle souhaitait vraiment, donc Kimpavita, elle souhaitait vraiment l'émancipation du peuple du Congo. Parce qu'elle pensait, elle voyait qu'il y avait un danger qui arrivait, un danger vraiment
par rapport aux colons, qui faisaient en sorte de faire, ils préparaient leur coup pour amener la bataille contre les Congolais. Et donc, elle avait déjà la vision de leur arrivée. Et donc, elle essayait d'avertir les autres, d'avertir le royaume, d'avertir le peuple pour dire que réveillez-vous, ne vous laissez pas faire parce que là, on va être attaqué bientôt. Et donc, ce qui fait que nous ne devons pas laisser notre patrie comme ça et qu'on ne laisse pas nos terres, hein, nos terres aux coloniaux. Aux colons, pardon. Et donc, les fidèles de Kimpavita, ils ont vraiment désiré d'acquérir leur indépendance aussi et d'être vraiment assez puissants, hein, face au mouvement du roi Pedro IV qui a décidé justement de s'allier malheureusement avec les Européens, donc contre la prophétesse. Donc, elle avait eu la vision qu'elle devait justement chercher le roi Pedro IV, parce que c'était le roi à ce moment-là, et de faire en sorte de s'unir pour s'unir contre la bataille des colons, hein, des colons européens. Mais malheureusement, il les a trahis et donc il est parti les rejoindre contre la prophétesse. Alors, ses compagnons d'armes, ils ont été arrêtés et Kimpavita a été retrouvée dans une contrée en train d'allaiter un bébé. Donc, elle n'avait que 21 ans, 22 ans à ce moment-là. Et donc, elle a profité aussi de briser le mythe de la Sainte Vierge qu'elle s'était forgée. Hein, parce que à ce moment-là, ils avaient vraiment cette mythe, hein, cette mythe qu'elle était la Sainte Vierge. Et donc, le fait de voir Kimpavita en train d'allaiter un enfant, donc automatiquement, elle devait casser cette image-là. Alors, malheureusement, Kimpavita a été brûlée vive, hein, sur le bûcher. Elle a été jugée comme ennemie du roi et elle a été envoyée sur le bûcher vers le 4 juillet 1706. Par les billets des Portugais, hein, à ce moment-là. Et donc, elle a été brûlée vive à l'âge de 22 ans. À l'âge de 22 ans, dans la ville d'Evoulou, donc près de Mbanza-Kongo, avec son compagnon Baro et son bébé. Oh là là! C'est vraiment grave. Hein. Donc, ils n'ont pas eu pitié vraiment du bébé. Donc, ils ont pris elle et son compagnon et le bébé, allez, vous allez être brûlés à vive sur un bûcher. Et ben, et donc, apparemment, à ce moment-là, quand elle a été brûlée sur le bûcher, ils ont vu des étoiles qui scintillaient à ce moment-là. Et c'était à ce moment où elle a été exécutée. Et donc, les Européens, ils l'ont surnommée comme la Jeanne d'Arc du Congo. Donc, ils ont surnommé Kimpavita la Jeanne d'Arc du Congo face à son destin justement de sa mort, la manière dont elle a été brûlée vive avec des étoiles qui scintillaient tout autour d'elle. Alors, Kimpavita a été inspirée par plusieurs mouvements, hein, par plusieurs mouvements nationalistes du pays et au-delà aussi du frontière du Congo. Et donc, après sa mort, le mouvement, donc ses fidèles qui étaient les antoinistes, ils ont subi une véritable répression et aussi, c'est la tête, ils ont été réduits en esclavagisme. Donc, ils ont été vraiment réduits et donc, ils ont subi l'esclavage, malheureusement. Et donc, comme on dit, tel des graines semées au gré des vents et aussi, ça a été aussi déporté en Amérique. Et donc, ils ont aussi diffusé la foi de l'émancipatrice portée par celle qui fut un espoir et aussi une inspiration pour tout un continent. Donc vraiment, Kimpavita a été vraiment inspirée par les Africains. Hein, donc, elle a vraiment été inspirée. Bonsoir, Maman Jésus-Laura. Elle a vraiment été inspirée par les femmes, hein, parce que si vous remarquez bien, même dans les réseaux sociaux, il y a nos compatriotes au Congo, quand ils parlent de la fierté de la femme, la guerrière et tout ça, ils font toujours référence à Kimpavita. Parce que Kimpavita, c'était une battante, c'était une guerrière, elle ne s'est pas laissée faire, elle a vraiment voulu protéger son territoire, elle a vraiment voulu que le royaume Congo reste comme il était, mais malheureusement, elle a été trahie par le roi qui était le roi Pedro IV, qui s'est allié avec les Européens, et c'est ce qui a fait qu'elle a perdu la bataille, et à la finale, ils l'ont mise sur un bûcher, et elle a été
elle a été brûlée vive. Bonsoir, maman Monica Miel. Donc, c'est vraiment une triste histoire quand même, malgré que le combat qu'elle menait, vraiment, c'était vraiment du fait de nous unir. Hein. Le but à elle, c'était vraiment de nous unir et de rester un royaume, hein, que le royaume reste tel qu'il est et qu'il reste vraiment intact et que personne vienne infiltrer le royaume Congo. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, elle a été trahie et elle a été brûlée vive avec son compagnon et le bébé qu'elle allaitait à ce moment-là. Donc, ils n'ont même pas eu pitié d'elle. Ils n'ont vraiment pas eu pitié d'elle. Et voilà la famille. Donc, c'est vraiment court. Hein. Kimpavita, vraiment, on n'a pas beaucoup d'informations sur elle comparé au royaume Congo. Mais elle est la continuité. Hein. Elle est vraiment la continuité du royaume Congo parce qu'elle, elle a vécu au moment de l'esclavagisme. Elle a vécu au moment où il y avait le colon, ils étaient sur place. Et donc, elle a vraiment voulu se battre pour sa patrie. C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant de parler d'elle parce que c'est une image de la femme, en fait. C'est vraiment l'image de la femme guerrière. Alors, je ne sais pas s'il y a des mamans qui veulent appeler. Vous pouvez appeler, il n'y a pas de souci. Vous pouvez apporter un plus par rapport aussi à ce que je viens de vous dire concernant le sujet de Kimpavita, donc la mère de la révolution africaine. Donc, vraiment, la famille, j'ai vraiment été intéressée vraiment par son histoire, malgré que elle n'a pas pu régner assez longtemps. Et puis, elle est décédée jeune. Hein, elle est vraiment décédée jeune. Elle n'avait à peine que 22 ans, la famille. Elle n'avait à peine que 22 ans. Donc, c'est vraiment triste, vraiment, que notre pays n'a pas pu ouvrir les yeux, hein, que le roi actuel n'a pas pu ouvrir les yeux et de regarder plus loin, de regarder vraiment la vision que Kimpavita avait pour le royaume Congo. Donc, c'est un peu ça, la famille. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez d'elle, si vous avez étudié ça à l'école, si vous avez étudié son histoire à l'école et tout ça. Parce que moi, comme je vous ai dit, tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire, moi, je n'ai pas eu comme information à l'école. Je n'ai pas étudié cela à l'école, vous voyez. Donc ça, je suis en train de voir ça en dehors parce que à l'école, on a plus parlé de la royauté belge. Hein. On a plus parlé de la royauté belge, donc l'arbre généalogique de la Belgique, mais on ne nous a jamais parlé du temps de la colonisation et de ce qui s'est passé après et qu'il y avait aussi les Portugais. Ils sont venus s'installer aussi au temps du royaume Congo. Tout ça, nous n'étions pas au courant, on ne le savait pas. Donc, si les parents ne nous ont pas enseigné cela, on n'allait pas le savoir et peut-être on allait le savoir seulement en regardant des livres, en allant à la bibliothèque et en allant s'informer justement. En allant s'enfermer de nous-mêmes par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays d'origine, hein, comme je vous ai dit. Et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était quand même intéressant d'en parler parce que peu de gens connaissent Kimpavita. Peu de gens ont entendu parler d'elle, vous voyez. Peu de gens ont vraiment entendu parler d'elle. Et même moi, personnellement, j'entendais ça seulement chez Manike de John, en fait. Elle n'arrêtait pas de parler d'elle, arrêtait pas. Alors, moi, je me disais, mais en fait, c'est qui cette Kimpavita, en vérité? Et donc, c'est là qu'après, j'ai suivi et j'ai vu que, en fait, c'était une femme qui a vécu au temps du royaume Congo. Hein? Donc, c'est comme ça que j'ai su m'informer et que j'ai su savoir qui elle était réellement. Donc, voilà la famille. Donc, c'est un peu ça. Et maintenant, je me dis que... Maintenant, est-ce que au temps actuel, est-ce que ce serait même possible qu'on ait encore une femme de ce genre, hein, une femme qui est assez forte, hein, parce que là maintenant c'est plus les hommes, on met plus les hommes en avant, mais la femme est toujours en arrière. Et donc là, elle, c'était vraiment une grande première en fait. C'était vraiment une grande première de voir une femme se lever et puis une femme très jeune. Hein, parce que quand elle s'est levée, elle avait à peine que 20 ans qu'elle a commencé son combat pour le royaume Congo. Elle n'avait à peine que 20 ans. Mais elle a défié vraiment les colons et malheureusement, ben, c'est ça. Donc, ça a pris fin au bout de 2 ans, ça a pris fin son combat. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me dis que dans la vie, il faut être fort. Hein. Il faut être fort et forte en esprit.
aussi ne jamais se laisser faire, ne jamais se laisser abattre. Et c'était ça, en fait, le message de Kimpavita. C'était vraiment ça, d'être éveillé, hein, d'être éveillé, de ne pas être endormi. C'est très, très, très important, même dans la vie de tous les jours. Il faut être éveillé, hein, il faut être vigilant. Donc voilà, donc je vais essayer de contacter nos mamans par rapport à ça, parce que c'est important, c'est important. C'était vraiment ça son message. Son message, c'était vraiment que nous soyons vraiment fortes en esprit, pas seulement dans le physique, mais aussi mentalement. Vous voyez? Parce que pour que quelqu'un puisse t'atteindre, c'est pour que quelqu'un puisse t'atteindre, il faut que il puisse t'abattre moralement, mentalement. Et ensuite, il termine avec le physique. Donc, c'est très, très, très important d'être fort et forte mentalement. Donc, c'est ça, la famille. Et voilà, la famille. Donc, je pensais que c'était vraiment intéressant de partager ce sujet avec vous, hein, de partager ce sujet avec vous, parce que vraiment, nos enfants ne connaissent pas cela. Et même maintenant aussi, on n'en parle pas non plus, hein, à l'école. On n'en parle toujours pas de ce sujet, et même de la colonisation. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit que c'était bien d'en parler aussi pour les enfants aussi qui soient intéressés. Et puis, comme je vous ai dit hier aussi, il y a des dessins animés qui en parlent, en fait. Hein, il y a des dessins animés qui en parlent de cela. Et donc, donc voilà la famille. C'est ça. Et puis on verra. Mais vendredi, il y a une bonne surprise. Il y a une bonne surprise qui vous attend. Je pense que pour commencer le week-end, il y aura un autre live que je vais parler. Bonsoir, Maman Zumba. Bonsoir. Comment vas-tu? Non, ça va, ma grande. Ah. Je pense que tu as vu le sujet de ce soir qui est sur Kimpavita Tima. Oui, tu me parles vite. Oui. Tu es déjà dans le live? Oui, je t'avais envoyé le lien. Je suis déjà vers la fin. Donc là, je suis au moment où vous intervenez pour parler un peu de ce personnage mythique. Personnage mythique, tu vas vite. Maman, ça c'est les femmes, non? On va le voir à la les femmes révolutionnaires. Voilà. C'est grâce à ces femmes-là qu'aujourd'hui, nous autres, là, on a eu ce courage-là de parler. C'est ces femmes-là qui ont fait que nous, les femmes, nous soyons, comme on dit, reconnues aujourd'hui. Maman, tu vas vite là. J'ai appris son histoire quand j'étais en troisième. Je sais que notre père nous dit, c'est toujours tu ne vas vite, tu ne vas vite, c'est une femme qui était forte, c'est une femme qui défiait tout, c'est une femme qui faisait beaucoup de choses. Vous venez pour la manette, tu ne vas vite. Je suis en train de te chercher là, je suis en train de te voir. Oh, na mona ki ango na yi na pandi na zo fana na nga wa rien à faire ma chère. Peut-être là on a de moi résumé ce que je maman na yi na j'ai appris l'histoire de ma vie quand j'étais en troisième. Je m'en ai l'histoire à mon quatrième. Non. Ils ont craché un peu, maman Zuma. On a habité ce que ici quand vous allez apprendre la connexion. Non, on a craché parce que Nani, on a pris son awa, pas comme il pleut. Ah, il pleut, hein? Ah, ils ont bêté sa connexion. Voilà. Ouais, ça l'a fait bon, waouh. Donc, Kimpavita, elle était née en 1684. Elle est décédée en 1706. Donc, elle avait à peine 22 ans, hein, quand elle est décédée, hein. Et donc, ouais, elle avait à peine que 22 ans. Et donc, c'était une prophétesse, hein, et elle était prophétesse, elle était fondatrice, et aussi, elle était dirigeante du mouvement antionianiste. Donc, c'est un mélange du catholicisme
et des religions traditionnelles du Congo à l'époque. Et donc, elle avait... oui, voilà. Elle avait... Et donc elle disait que Dieu n'était pas un Dieu blanc, mais un Dieu noir, hein, que Dieu était noir et que les colons bazaiki yamisalamabe quoi. Pour Bayako détruire l'Afrique. Voilà. C'est eux qui se sont amenés tout ce qui est la magie noire chez nous. Tout ce qui est rose, pas la sombrée là. Donc c'était ça. Et donc. Oui. Et donc, elle avait une vision, hein, elle avait une vision de Saint-Antoine qui lui a dit que. Et il fallait qu'elle aille retrouver le roi actuel à ce moment-là, qui était le roi Pedro IV, et de le ramener au royaume Congo, parce qu'il avait quitté le royaume, et de le ramener au royaume Congo afin d'unir le peuple, de réunir le peuple pour se battre contre les colons. Hein. Et elle a essayé de le faire, mais malheureusement, il a été un traître, donc il s'est, au lieu de faire en sorte de réunir le peuple, lui il est parti s'est allié avec les Européens. Et ce qui a fait qu'ils ont perdu, voilà. Et ce qui a fait qu'ils ont perdu la bataille. Et elle, on l'a retrouvée en train d'allaiter son bébé. Bah zuyé, na mobile na e na moi na bâti na bûcher bah brûlé bah mon vif. Voilà, c'est le même truc qu'ils ont fait pour comment on appelle ça? Nanani? C'est le même rythme qu'ils ont, c'est le même stratégie qu'ils ont fait pour que tout le monde assise. On ne sait pas où sont les corps. C'est ça. Mais maman, quand même, ma chine, pas vite, elle vient d'un. Si tu m'avais dit que tu vas. Ah, je ne vais pas trop vu. J'ai vu l'intitulé. Mais j'aurais dû quand même aller chercher quelque chose de bon pour m'exprimer là-dessus. Vraiment. Va, Monica Azawa. Non, elle est occupée. Elle est occupée. Ah, d'accord. Yo, m'a dit, il y a du loco, yo. Ah, je suis limitée. Ça, par contre, ça m'énerve. Quand je connais pas trop le sujet, ça m'énerve. Pour une fois, on ne va pas tenir rigueur, maman Zumba. Ouais. On ne va pas te tenir rigueur, pour une fois. En tout cas, notre père, mon père, tu es l'enseignant. Donc, à qui enseignant. Ah, donc il connaissait bien l'histoire. L'histoire de Timbavita, il nous parlait d'histoire, il disait que c'est une femme brave. C'est une femme, c'est-à-dire s'il y a les femmes qui ont combattu pour que les femmes aussi soient libres, pour que les femmes puissent s'exprimer, elle fait partie parce que c'est une icône. Oui. Elle nous parlait tout, non? Elle était, c'est comme elle disait que ce que Chimpavita disait, par exemple, dans les réunions, c'est-à-dire le mbongi, quand les gens sont dans les mbongi, que quand elle venait, elle prêchait. Les vieux, les hommes qui étaient là, écoutaient, exécutaient. Tu vois, exécutaient. Mais maman, là, Kenemoulaï n'a pas aussi. La prochaine fois qu'on a des sujets comme ça, envoie-moi ça tout seul, moi, résumé, on fait des recherches. Parce que là, je suis vraiment limitée. Il n'y a pas de souci, maman Zuma. Il n'y a pas de souci. Parce que même Kimpavita, bizarrement, il n'y a pas beaucoup de sujets par rapport à elle. Donc, vraiment, il n'y a pas assez d'informations, je peux dire. Il n'y a pas assez d'informations sur elle. Comparé le sujet de Rwanda Congo, qui était assez vaste. Donc, ce qui est l'objet de la nuance, je pense qu'on allait rester jusque demain. Mais, sur ça, j'ai voulu écourter ça pour pas que ça soit trop long et qu'à la fin, ce soit fatigant. Tu vois, donc, mais vraiment, ce qu'on doit retenir, c'était une femme battante. On a une école qui s'appelle Timbavita.
On a un collège qui a comme quand on a Timba Vita, Timba Vita. Et quelle. Quelle histoire. Mima, ça dit quand tu rentres dans l'histoire, dans l'histoire Congo, quand tu rentres dans l'histoire Congo-Congolais, quand tu dis Congolais, t'es là, c'est tout le machin, le bassin Congo. Je te jure, tu t'enrichis. Parce que c'est nous-mêmes qui on se sous-estime, au fait. Voilà. On se sous-estime. Que ça soit religieusement, que ça soit intellectuellement, on se sous-estime. Parce qu'on avait des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui avaient une sagesse, une connaissance divine. C'est vrai, hein? Maintenant, les gens qui bravent leur drapeau pour dire que non, mais maman, tu n'es pas vite en Israël, là, comme nous avons tu n'es pas vite en Jena, il y a certaines personnes qui viennent là comme les mêmes, comme les gens qu'on a vus là. Ce que tu avais montré la dernière fois, la fille qui va danser, qui va danser. Tu vois, il n'y a plus cette divinité où vraiment les gens venaient. Non. Ah, mais moi, je suis limitée. Vraiment. La prochaine fois, on va refaire ça. On va faire des recherches. Y On a va faire des pas recherches de sur souci. l'histoire. Y a pas de souci, maman Tuma. Y a pas de souci. Ah, je savais même pas. Donc là, tu as fini ou tu es encore? J'ai Continue à bientôt. développer, moi aussi, je veux. Oh, mais j'ai bientôt fini, hein. J'ai bientôt fini. Mais voilà, attends. En tout cas, je n'ai même pas suivi. J'ai vu l'intitulé, mais j'ai. Oh là là. Ah, mais. Désolé, aujourd'hui, on n'a pas pu développer. Il n'y a pas tous ces moments Tumba. À tout Et à l'heure. tonton, mon frangin n'est pas là aujourd'hui. À tout à Soulet, l'heure. ta à côté ta. Oui. À côté. À quoi je l'ai fait? Non. À côté. Au moins la boya robe, mais la vie soir, on a commenté. Je te jure, ah, oh, ça vous a besoin. Bah, qui a ma canne à intervenir, quoi. À commenter, Rota. Ah, oh, ça vous a besoin, Non, mais c'est alors, ça tu la comment? J'en ai des panne. pleurs, moi, je suis limitée. Va, maman Zumba. À tout à l'heure. Alors, ma Monica, ma Monica. Bonsoir Yaya. Comment vas-tu? Bonsoir, Mima. Oui, très bien. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Avec Oui, Jésus-Christ, tout va bonsoir à bien. tout le monde. Allô? Allô Yaya, on t'écoute. Oui. Oui, j'ai vu le titre et puis. Oui, j'aimerais un peu, mais je ne sais pas trop l'histoire en fait des Kimpavita. Ah, donc heureusement que Nalobele a enrôlé l'eau, hein, Yaya. Au moins qu'on apprend tous les jours. Oui, mais c'est quoi au Congo? Comme toi, tu connais pas trop comment ça se passe là-bas. C'est pas comme ça, tu sais, les histoires qui se passent ici en Europe, c'est pas aussi, c'est pas tellement ce qui se passe au Congo. Donc, au Congo, pardon, il m'attend. Oui. Tu sais plus, comme par exemple, lorsque moi je suis venue ici, j'ai vu vraiment beaucoup de choses qui s'est passé. Et puis là-bas, au Congo, on est un peu tous informés, je peux dire. Et puis, comme bah, histoire, on a une lettre qui me parle vite, c'est plus les gens qui vivent à Kinshasa. Tu vois? Comme moi je suis de Kisangani, moi je suis née à Kisangani, mes parents sont de Ah, Kinshasa. la sens wana, tu Oui. veux dire. Ah, ok. Ok, Oui, na tu vois, comprendre. c'est Oui, na compliqué, comprendre. Mima. Oui, na Même le comprendre. jour que tu. Oui, le jour que tu seras là-bas au Congo, tu vas voir un peu ce compliqué. Donc, ce qui se passe ici sur l'Internet, on est plus informé ici parce qu'on a l'Internet. Attaque on que l'Internet donc c'est plus attends ma mouvement
tout où on a. C'est plus, à Wangeza, plus c'est la moto en fait. Mm. Mais au Congo, c'est pas comme ça. Mm. Par exemple, les régions des Swahili ou quoi, Kimpavit, on ne sait pas ça. Mm. Donc là, on a un Koyoka, à ta Kimpavita, je ne sais pas, peut-être que tu as un peu de monde, tu as un peu là, on a l'Empire Congo, mais on a un Kakombo, on a dit. On a un Kimpavita. Mm-hmm. Mais avec le temps, on a la commune pour le Congo qui me fait vite en bas, on a internet, mais pas en photo. Donc, oui, qui me fait vite, comme j'ai dit, mais qui me fait vite, c'est qui? Donc, on a eu parce que okay, non, et à moi, c'est mon brave femme, donc brave jeune fille, donc on a tellement qui peut à l'oba, et l'oba, on a tellement là à l'oba, on a eu le monde. Donc, c'est un peu ça, et ça vraiment compliqué par rapport à. Autour en Europe, tout ça, plus d'informations et délais par rapport à. Il y a une école basée sur quoi. Surtout, il y a un combo, mais il y a plus de choses qui sont en train de se faire. Il y a plus de bandes qui sont en Congo. Donc, il y a une union au Swahili, au Badou, au Bayande, au Yadon. Tu vois un peu, certes, c'est la capitale, mais. Mais justement, il y a justement, au moins, il y a un but à la Baboué. Il y a des réseaux salaires que justement, quand Bozo peut intervenir, Bozo peut sa rapport, on a vu nos Bozo le bac, Bozo peut s'exprimer en fait. Bozo le bac, ah, tu sais que nous avons eu un pour tout, après, toujours solo, là, toujours le bac, tu vois, c'est ça le but de live. Oui, c'est ça. Donc, la capitale se plus dominée avec les Bandundu et Congo central, pas Congo, c'est comme ça. Donc, mais, Bandundu, Bassoaï, Bayakoli. Donc, plus au moment où on a mis le bébé, on a fait un baking, on a fait un baking, on a fait un baking, on a fait un baking. Mais tellement on qu'il n'avait n'a à 10 ans dans l'équipe. Tu vas nous faire un des bonhommes. Ce que des bonhommes à côté limité. Ce que tu as les comment va couloir à l'équipe. Ce que tu as le basoir il n'est là. Au moins nous payons ni les n'avons couloir on a. Au moins la panne on a ça comme panne. Bah c'est là les allées vont mettre que soit il est un influent. Bah t'as mon bouton. Donc au second est-ce qu'on va dire le bah. Eh mon bouton tu vois tu vois. Mon bouton tu vois. Eh. Ah, on a qui chante en l'ouba soigne, c'était un peu ça. Donc, on a qui classe. La bande de chante pour tout classe, même si vous n'avez pas pour l'ouba français, mais qu'on a tout. Donc, à un moment, on a récré pour l'ingala, on a pas pour l'ouba l'ingala. Marchandises quoi. Tout le monde est comme ça. On a dit, 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 on a d
Ah, ok. Ah, mais c'est bien, mais c'est bien. C'est bien de connaître tout, tu vois, tout ça là. Tout ça, on a le bac qui est mon colocuna. Non, ça, c'est un reportage. Non, ça, c'est un reportage. Na ba province. Na Kinshasa, c'était pour nous, on a eu un peu intéressant. Mais, plus, parfois, en province. Mais même ici, hein, y a même ici en Belgique, même kaka histoire kaka non que nous musicataire kaka histoire ya colonisation na histoire bah il ça parti wana bah le babiso kaka histoire ya Belgique bah zola que c'est arbre généalogique ya royauté allez après bah qui dit mais quand au comica est pas parti à l'école 2 non pas bah stopper bah expliquer biso que voilà le pôle 2 a Kenaki colonisé Congo RDC. Et les cas qui pouvaient, il y avait l'esclavagisme, tout ça, ils nous ont jamais enseigné ça. Tu vois? Mais il y a américain de Bozo Loba. Mais il y a vu nos mots pour Bozo Loba. Finalement. Oui. Oui, nous avons pourtant tout le monde un chapitre on va avoir le Paul Dion et la plus par autant ça veut dire que oh non qui quand on est là qui pour Elizabeth B nous combattons là qui pour le Paul B parce que nous modèle on a des batailles qui beaucoup ça tient en profondeur nous avons mis là qui pour y est par autant aux opus ça n'est pas classe les opus ça n'est pas couvert trop pour y est par la fin mais pas à partir de dans un mini mais pour moi la donne la fin à partir de comment est-ce que et en plus et le Congo n'a pas compris comment beaucoup changer la combo ya vie ya la colon
tu vois, n'était pas Léopoldville, Bani, ils ont la caté, tu vois, normalement, il faut, ils ont la combe, il y a un beau quand même, mais pas bateau à l'Ipanda, tu vois, ça aussi, ils ont erreur, mon coup, ça là. C'est tout à fait normal, Mima. Au moins, les longues choses, il faut tout comprendre. Certes, il y a des choses à faire, qu'on a lu, non, on va bien en avant. Mais il y a tous influents. Il y a tous. Il va changer la combo. Mais après, ils ont là qui t'ont côtoyé à. Quand ça vous va bouffer, vous côtoyez, tout le matin, vous allez, mais tant que vous vous faites la vie, là, à changer la combo, à zongi se s'occuper, à zongi ça qui s'occupe à changer, je sais. Aux hommes, et l'homme sous ça, les autres hommes, là, puis sur la jeune, tout le monde a trouvé du nom, tout le bas stop, pour ma cambo, le score, bateau, bah, au coup, je suis sauté, pour ça, air, mon coup, activité, bah, au coup, je suis sauté. Donc, colorastico, c'est bien bon, mais maintenant, on a ma parole à ce bateau, pratique, parce que pratique. Tu vois, attendez, on va dans ce sou. Au moins, on a Congo, on va dans ce sou. Pourquoi le monde va à l'image de l'indépendance avant ça? Ça, c'est un bon pays. Tant que je vous ai dit, non, on va être pour le bâtir. Tant on comprend, c'est un monde qui met en aide, on comprend comment est-ce que le monde va s'adapter pour être indépendant. Pourquoi pour le bâtir qui tout continue à la souffrance? C'est ça aussi. Donc, non, le bâtir pas ça. C'est ça. Mais au Koyo, quand tu es au Kin, au Koyo, quand tu es au discours, au Mana. Merci à toi, Yaya. Merci. Oui, merci. Bonsoir. À toi aussi, Yaya. Oui, ciao. Bye bye. Donc, c'est ça la famille. Alors, Bamsous va lever que Lumumba a acquis l'indépendance trop tôt. Pourquoi? Un pas sous les points, Nini. Selon Monique, Lumumba a acquis l'indépendance trop tôt. C'est sa réponse. Pour Nébé au Bengate. Ou bien au Tiningai Voice, Nayoki, na AirPods, Nangai, après Nayo Kolobana Live. Parce que c'est ça, hein? Parce que bah, propos, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a avec indépendance trop tôt, faire la nana, tout ça. Bon. C'est ça aussi, c'est un débat. Est-ce que l'indépendance fallait le retarder pendant encore quelques années, ou bien c'était une bonne idée de demander l'indépendance le 30 juin 1960, si je ne me trompe pas. Ouais, 1960. Donc ça aussi, c'est un débat aussi par rapport à l'indépendance. Mais bon. Bato, bazaki, n'est-ce pas que le baba paron a dit ça, n'est pas que le baso qui vraiment... qu'est-ce qui s'est passé à ce temps-là, hein? Je veux dire, les grands-parents, est-ce que ton Anna Isaki, Isaki Madame, ou bien Isaki Mabé, ou bien Isaki. Ah, ok, Isaki Pona Kouwela qui leadership. Ah, ok, Isaki Pona Kouwela qui leadership. Ok, ok. Ils ont un tout sous européen, ça peut être argument sous, donc on ne sait pas. Donc, ah, mais bon.
De toute façon, malheureusement, Liwana et Zaki m'avaient, hein, franchement, Batwana, Bazaki n'a monté ma tête, hein, donc, Bazaki sans cœur, hein, Bazaki vraiment sans cœur, parce que, façonné, Maboma qui est vraiment, c'était vraiment atroce, quoi, c'était vraiment atroce. Et puis, il n'y a pas longtemps aussi, ils ont parlé de, ici en Belgique, hein, ils ont fait, ils avaient retrouvé une partie de son corps. Et ben ça qui famille naé papa naé bako naé pour na ko célébrer en gros, et ils ont bloqué toute la circulation à Bruxelles, hein. Donc il y avait pas de transport en commun, donc c'était vraiment tout était bloqué à ce moment-là pendant pendant quelques heures, et après la circulation a repris le chemin, a repris vraiment la circulation comme c'était avant. Donc, c'est vraiment ça, la famille. Donc, moi, ce que je retiens vraiment de le parcours de Kim Panvita, c'est le fait qu'il ne faut jamais se laisser faire. Voilà. Son message, c'était vraiment ça, de ne jamais, jamais se laisser faire quand ça concerne ta patrie. Quand ça concerne ta patrie, quand ça concerne ton peuple, tes frères et tes sœurs, il faut se battre pour une bonne cause, hein, pour une cause noble, parce que c'était vraiment sa mission, c'était vraiment pour une cause noble, hein. Elle n'a quitté que bah Colomba ya ko koyaka comme pour ça n'importe quoi nakatia mboka, et après de tirer profit et puis surtout tikaka maboko pamba, et franchement c'était vraiment une battante, hein, c'était vraiment une battante, une guerrière, mais malheureusement sa mission a tenu seulement 2 ans et pas plus. Effectivement, effectivement, mais il faut dire aussi que il y a des pays qui ont été colonisés par les Anglais, et je pense que soyons clairs, les pays qui ont été colonisés par les Anglais, ils sont mieux que nous, hein, ils sont plus développés que les pays colonisés par les francophones. Donc c'est dommage qu'on n'a pas été colonisé par les Anglais, parce que je pense que si on a été colonisé par les Anglais, même au niveau de notre culture, hein, on allait être vraiment de l'avant. Je pense qu'on allait même dépasser même les Nigériens et tout ça. Donc, mais bon, voilà, c'est bizarre. Les Anglais nous ont, ils ont pas trouvé ça vraiment intéressant apparemment. Je sais pas. Ou bien peut-être ils ont été endormis par les Belges, je ne sais pas, et que eux ils voulaient absolument s'accaparer vraiment de ce pays, de ce royaume, pour faire ce qu'ils ont voulu faire jusqu'à aujourd'hui. Et malheureusement, nous n'en tirons pas vraiment de positif, hein. Nous n'en tirons pas vraiment de positif après l'indépendance des Belges, parce que voilà, le pays est toujours en souffrance jusqu'à l'heure actuelle. Hein. Jusqu'à l'heure actuelle, le pays ne va pas mieux. Donc, ouais, donc je peux comprendre d'une part. Ceux qui disent que l'indépendance a été demandée trop tôt, il fallait attendre encore quelques années. Et bon, ceux qui disent que non, il fallait qu'il y ait l'indépendance parce que notre peuple souffrait énormément. Le fait de chaque fois d'être martyrisé par les colons, et ils en avaient assez. Donc franchement, il faut peser un peu pour le contre. Donc c'est assez compliqué, je pourrais dire. C'est assez compliqué. Et donc voilà quoi. Moi, je me dis que en soi, j'espère, vraiment j'espère de tout cœur qu'il y aura encore une autre révolution, hein, qu'il y aura d'autres personnes qui vont se lever comme Kim Pavita, et pour vraiment faire en sorte que le pays aille de plus en plus mieux. Hein. Et je parle pas seulement pour la RD Congo, mais aussi pour tous les pays africains. Hein, qu'on puisse retrouver cette indépendance réelle, et pas une indépendance de yeux de tout le monde, mais nous savons que en sous-sol c'est pas ça, quoi. Ok, donc c'est en 1960, il y avait pas vraiment autant de martyrs que au début du 20e siècle. Ok. Mais bon, comme tu as si bien dit, il y en a qui cherchaient le leadership. Donc, je ne sais pas. Ça aussi,
ça demande aussi quelques études, quelques recherches par rapport à tout cela pour vraiment comprendre. Et puis, quand on parle de cela, ça vient de me rappeler qu'il y avait un patient, mais un patient congolais qui avait âgé entre 80 ans, 85 ans, et il m'a parlé justement des livres. Je ne sais pas, pour que je retrouve mes manuscrits. Il m'avait parlé vraiment des livres qui expliquaient vraiment la vérité, la véracité de l'histoire du pays Congo, quoi, donc le Congo. Et que ça nous expliquait justement le temps de la colonisation et le combat que Lumumba avait mené pour le Congo, tout ça, pour le Congo. Et mais j'ai oublié, je sais pas où j'ai mis ces manuscrits. Pourtant j'avais pris note des livres justement qui vraiment expliquaient vraiment la réalité de ce parcours, de cette période de colonisation. Il faudra que je retrouve. Bonsoir maman Isengonanga, bonsoir, comment vas-tu? C'est ça la famille. J'espère vraiment que nous avons tiré quelque chose de ce live par rapport au personnage mythique qui est Kimpavita. Voilà. La mère révolutionnaire africaine. Donc la famille, n'oubliez pas de liker, hein. N'oubliez pas de liker la famille. Likez, 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 likez. Et au salabien. Et au salabien. Mais bon, c'est vrai que bon, il y en a qui ont étudié ça à Kinshasa apparemment, et dans d'autres régions, hein, dans d'autres provinces, ils n'ont pas étudié ça. Donc, qu'apparemment, que dans d'autres provinces, ils sont sous-informés de ce qui se passe dans la capitale. Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, parce que j'ai remarqué ça. Oui, ça va très bien, maman et Simona, là, ça va très bien, ça va très bien. Donc c'est ça la famille. Donc c'est vrai que ce serait bien vraiment que tous les Congolais, que ce soit à la capitale et même dans les provinces, soient vraiment informés de ce qui se passe réellement dans le pays, parce que je ne sais pas si c'est fait exprès ou bien c'est, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ce serait bien quand même que tout le monde soit informé de ce qui se passe, quoi, que tout le monde puisse avoir le même programme scolaire, je peux dire. Que tout le monde puisse avoir le même programme scolaire pour être informé, pour connaître l'histoire du pays, parce que je trouve que c'est la racine, c'est la base, c'est la culture. Hein. Il faut connaître notre culture, il faut connaître nos origines, il faut connaître le commencement de l'histoire du Royaume Congo jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est très, 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 très important. Donc, c'est très, très important. C'est très important. Et puis nous, les parents aussi, que nous avons des enfants qui sont nés en Europe, en Amérique, ou même qui sont venus bas âge, c'est très important d'inculquer nos valeurs, d'inculquer, d'expliquer l'histoire, hein, nos origines, parce que c'est la racine, c'est notre identité. Et c'est ça en fait. Quand les Américains ils sont arrivés en Afrique pour prendre les Africains, les ramener en Amérique pour les maltraiter, tout ça, c'était juste jusqu'au point de leur changer leur nom. Quand on change déjà le nom d'une personne, c'est-à-dire qu'on t'arrache ton identité. Vous voyez? On arrache ton identité, donc on veut plus que tu aies que tu te retrouves, que tu puisses savoir d'où tu viens. Vous voyez? Parce que moi ça me tue quand je vois par exemple des Afro-Américains qui disent "Oh, moi je suis américain." Non, mon frère, ma sœur, tu viens de quelque part. Tu viens pas de l'Amérique, parce qu'en soi, l'Amérique, à la base, c'était les Indiens. C'était les Indiens qui étaient sur le territoire américain. Et les Américains qui viennent de d'autres parts, d'autres pays qui se sont accaparés de ce territoire et qui ont chassé les Indiens et qui après, ils ont essayé ils ont essayé maintenant de mélanger la population, les origines, tout ça. Et donc, ils sont perdus. Moi, je dis clairement, les Américains, ce sont des êtres, ils sont perdus parce qu'on les a arrachés leur identité. Ouais, on les a arrachés leurs origines. Et j'espère qu'un jour, il y aura une justice par rapport à cela. Parce que je trouve que c'est vraiment dommage, je trouve ça vraiment triste d'arracher la racine de quelqu'un, d'arracher son identité.
et de ne pas lui dire d'où il vient réellement. Hein? Parce qu'en soi, ils viennent tous de l'Afrique. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est pour ça qu'il y a des Américains qui nous en veulent, qui disent « Non, je ne veux rien savoir avec l'Africain parce qu'ils nous ont vendus. » Parce que j'ai entendu, hein, les Afro-Américains, je les ai déjà entendus dire qu'ils nous en voulaient, nous les Africains, parce qu'on les a vendus. On ne les a pas protégés, on les a vendus. Et eux, maintenant, ils ne savent plus qui ils sont réellement, en fait. Ils ne connaissent pas leurs origines. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'en arriver là. C'est vraiment dommage d'en arriver là parce que en soi, ils n'ont rien demandé, en fait. Ils n'ont rien demandé et ils ne savent pas comment retrouver la racine. Ils ne savent pas vraiment comment retrouver la racine. Alors, c'est vrai qu'il y a des Afro-Américains quand même, malgré qu'on les a changé leur identité, mais ils ont su garder en mémoire d'où ils venaient et qu'après, ils ont su transmettre à leur progéniture, à leur génération future. Mais il y a des Afro-Américains qu'ils ont carrément oublié leur identité. Et donc, ils sont perdus. Ce sont des personnes perdues. Donc, voilà la famille. Donc, j'arrive à la fin de notre live. Je tenais vraiment à vous remercier de votre participation, que ce soit dans les commentaires, que ce soit par la fenêtre, que ce soit aussi par téléphone. Vraiment, merci la famille. Et demain, on se verra avec un autre sujet. Demain, on va se retrouver avec un autre sujet. Et donc, voilà la famille. Alors, je vais terminer le live en vous faisant un petit coucou. Hein, en vous faisant un petit coucou, c'est la moindre chose. Donc, maman Marianne Kiamakanda, merci d'être venue. Merci. Maman Jésus le Roi. Maman Monica Miel. Maman Zumba. Maman Jardin de Fleurs. Papa Soulé. Et maman Isengo Nanga. Isengo. Yazaka Kakane Isengo. Hein, maman Isengo Nanga. Ouzakane Isengo. C'est bien. Donc voilà la famille. Donc je vous fais vraiment de gros bisous. Hein, je vous fais de gros bisous. Et on se verra demain. Hein? Maman, c'est mon nom, papa, dit que tu tombes là-haut, hein, maman. En tout cas, donc, maman, c'est mon nom, tu es la bienvenue ici, hein, tu es la bienvenue, tu peux venir à n'importe quel moment. Nous t'obéons, non, awa, azate, maman, c'est mon nom. Zanda, qu'on a bu, non, beaucoup, y'a n'est au bowling. C'est la famille. Voilà la famille. Donc, je vous fais des gros bisous. Et donc, voilà. Je termine sur ce. Et c'est moi toujours, maman, et c'est moi là, et c'est moi, et les quignons, ok, kanda, kanda. Ben, on dit, mais vas-y, toujours, na, et c'est moi. Donc, voilà. Vous m'en arrêtez, n'a la sécala, n'a la sécala. Moi, je suis une personne très souriante, n'a la sécala. N'a la sécala, parce que son assis qui n'a sécala, ma bée. Alors, je préfère, n'a la sécala, toujours, na, et c'est moi. Donc, voilà, la famille, je vous fais de gros bisous et, je vous fais de gros bisous et on se voit demain, la famille. Que Dieu vous protège, hein, que Dieu vous garde et passez une bonne soirée. Bisous.